Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la nouvelle maison de Fire. Voilà, donc elle est avec l'écaille. Vous vous rappelez, avant on a mis l'écaille là-bas aussi, maintenant on les a remis là. Donc voilà, Fire est là maintenant. Bah maintenant il dort là, l'écaille elle dort là. Bon voilà, hein. Bon c'est un peu petit, voilà. Mais voilà, il dort assez bien. Voilà, ça lui suffit. Bon, encore, il est castré maintenant. Faut qu'il s'habitue aux autres lapins. Encore, voilà, qu'ils s'entendent bien et tout, voilà. Pour après le mettre avec les autres lapins. Bon, là, ça va, il est bien ici. Donc après, on pourra le mettre avec les autres. Mais ouais, ils sont quand même assez bien. Parce qu'il est castré. Parce que sinon, ils s'entendent pas très bien. Hein? On dit quoi, Fire? On dit abonne-toi. Fire, il dit que vous devez vous abonner. Parce que il faut qu'on atteigne les 500 abonnés. Hein, Fire? Bon là c'est un peu sa maison, hein. Peut-être bon là il y a la maison des autres lapins, Cannelle, Grizzly. Voilà, ça sera peut-être sa maison. Et sauf qu'après il ira que le soir à sa maison. Il va s'amuser dans le grand parc. Donc voilà, alors je vais vous présenter un peu. Là c'est une cage. Voilà, il y a la petite maison. Et là on a aussi mis son biberon. Il y a aussi un peu de compagnie. Bonjour les cailles. On s'abonne? Oui, on s'abonne. Hein. Alors. Là, nous avons. Oh mince, j'ai fait tomber. Bon. Là. Oh là là là. Nous avons. Oh, la bouteille d'eau. Attends, je vais remettre. Hein. Voilà, donc voilà, là il y a le biberon pour Fire, on l'a mis ici, donc il va très bien ici. Là il y a l'eau. Bon, alors moi je trouve il est assez bien dans sa petite maison là. Bon, il a un grand extérieur, là c'est juste pour dormir. Le plus important c'est l'extérieur. Mais quand même, hein, s'il y a un petit espace pour dormir, c'est juste pour dormir. Là c'est pour toute la journée. Hein. En plus, là, il se repose. Quand il est à l'intérieur de ça, il va pas bouger partout. Donc il a assez grand espace. Bah après, je lui donne aussi des feuilles et tout. Il a tout son nécessaire. Il est en train de s'habituer à sa nouvelle maison. Au début, il avait un peu peur, ce qui est normal, hein. Il change de maison. Il déménage souvent, Fire. C'est un déménageur. Bah, il a déménagé quand il est venu chez nous. Et puis, il a encore déménagé. Donc là, on l'a castré. Et puis, ça s'est bien passé. On a dû le mettre à l'intérieur. Pendant la nuit parce qu'il faisait froid le jour là, et puis après on a pu le remettre dans sa cage là bas puis après un jour après le lendemain on l'a mis ici. Bon, là avant il avait peur un peu et tout, mais là maintenant ça va. Ouais. C'est là, après avoir mangé, c'est la petite digestion, hein, le petit les petites caresses. Il se repose un peu. Il mange, il se repose. Et puis, il court un peu. C'est ce qu'un lapin fait, c'est sa vie. Quoi. Bonjour les cailles. Avant, les cailles aussi, elles ont beaucoup déménagé. Lui, il a déménagé après chez nous et tout.
Avant, il habitait autre part. Non, mais regardez la caille, elle va sur Fire. Non, mais un peu de respect pour Fire. C'est un animal qui est vivant, ok? Bonjour. Tu dis quoi? On s'abonne. Et on met un pouce bleu à la vidéo. Là, c'est trop bien de près. Bonjour. Ça fait super beau de près. De loin, ça fait moins beau. Yank. Ah, il y a plein de poussière, regardez. Bon, il a l'air bien dans sa nouvelle maison. Bon, cette vidéo, c'était pour vous présenter sa nouvelle maison. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu.